Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs, amis fidèles à EDER TV. Nous voici encore une fois de plus devant vous pour rendre grâce à notre Dieu au travers de cette émission. Comme je vous avais annoncé dans les émissions précédentes que nous avions eu 30 jours non-stop de célébration. 30 jours rien que pour dire merci à notre Dieu. Nous avons été bénis par le passage de plusieurs serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Tous vraiment Matéa O et Sengela qui ont vraiment Nzambalinga qui pour Nalibotanaï. Alors ici sur le plateau, je suis avec Moko Yabakambi. Moko, une servante de Dieu qui est venue partager avec nous la bonne parole. Je vous prie de la découvrir. Bonjour maman. Bonjour maman. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence à l'église et ouais. Merci de prendre ce temps. Je sais que vous êtes fatiguée. C'est les derniers jours. On vous a pris en tout cas parce qu'on voulait bien que vous puissiez quand même passer ces moments avec nous sur le plateau pour faire profiter aux enfants de Dieu et aussi à nos chers téléspectateurs de EDER TV de ces moments. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je vais vous laisser la liberté de le faire. Je pense que vous ferez mieux que moi, afin que nos téléspectateurs puissent vous découvrir, s'il vous plaît. Ok. Alors, je m'appelle Destiny Monique et j'habite en Angleterre, précisément dans la ville de Milton Keynes. Et là, je suis pasteur, résidente à l'église Rehoboth, All Nations. Ok. Et voilà, c'est ça. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, ma destinée, comment est-ce que vous êtes arrivée à l'église des dieux, les réveils? Parle-nous un peu de l'invitation pour venir célébrer avec nous. Ok. Nous bénissons le Seigneur. Je suis venue par l'invitation du pasteur, le pasteur titulaire. Ok, le pasteur Pajot. Pajot, Malossa. Et on s'est connus en Angola. Ok. Et c'était lors d'une conférence internationale. D'accord. Et une église a organisé en Angola et nous nous sommes retrouvés là comme des invités. Et c'est là que nous avons fait connaissance et nous avons établi une famille. Ah ok, ça va. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette pensée d'arrêter 30 jours comme ça pour célébrer Dieu, jour pour jour, non-stop, pour adorer et célébrer ces grands dieux-là? Je commence à voir par acclamer. Par acclamer. Parce que c'est vraiment génial. Depuis que moi, je suis enfant de Dieu, je suis servant de Dieu. Ok. En Afrique, oui, je pourrais dire qu'il y a des programmes pareils qui se font. Mais en Europe, je suis quand même en Europe pendant plus de 20 ans. D'accord. Et je volis dans des églises de réveil. Bah, okay. C'est la toute première fois pour moi. Et de voir une église organiser une chose pareille, surtout avec les thèmes. Oui. Parce qu'on sait qu'on fait beaucoup de programmes, mais pas pour la célébration. Okay. Mais ça, on vient juste pour célébrer Dieu pendant un mois. Et puis pendant l'hiver, c'est génial. Ah, ok, merci beaucoup. Alors maman, Monique, comme j'ai dit, je ne vais pas prendre beaucoup du temps. Okay. Mais j'aurais voulu quand même que vous puissiez expliquer. Peut-être qu'on n'aura pas le temps, ou le téléspectateur plutôt n'aura peut-être pas le temps de suivre toute la prédication de vendredi, de samedi et d'aujourd'hui, de dimanche. Donc vos interventions. Vous avez beaucoup parlé d'un syndrome d'imposteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi cela consiste? Pourquoi est-ce que vous avez beaucoup insisté sur ça, s'il vous plaît? Oui, j'ai parlé du syndrome de l'imposteur parce que c'est un truc qui dérange trop les humains. Mais si je vais m'adresser aux enfants de Dieu. D'accord. Et ça se manifeste par la remise de soi. Tu développes les doutes. Ok. Tu n'as pas confiance en soi. Tu remets en cause tout ce qui est toi. Et même si quand tu fais un truc qui est excellent, mais tu n'arrives pas à t'apprécier. Tu n'arrives pas à croire que ça, c'est moi qui ai fait ça. D'accord. Et cela détruit vraiment
le self-control, la self, l'estime de soi. D'accord. Et ça dérange même la foi, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Ouais, ouais. Ça dérange même la foi pour croire aux promesses de Dieu faites par rapport à votre vie. Donc, comme les cas qu'on avait, les cas de Caleb. De Caleb, oui. Caleb était animé par un autre esprit. Ouais. C'est ce qui lui a fait accepter. Il a accepté la promesse de Dieu. Mm-hmm. Bien qu'il y avait des géants, Caleb a cru. Parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui, il a cru. Mm-hmm. Et par contre, les autres expions n'ont pas cru. C'était les doutes. Et pourquoi les doutes? C'est causé par rapport à l'esprit, le syndrome d'imposteur, causé par la négativité qu'ils ont subie. Et ils ont gardé ça, ils ne pouvaient pas voir encore la bonté de Dieu dans leur vie. Ah, ok. Donc, je voulais seulement interpeller les enfants de Dieu à croire plus à Dieu, qu'à ce que les hommes disent. Amen. À croire plus à Dieu par rapport aux circonstances qui les entourent. Et ainsi, ça va leur permettre de vaincre les obstacles de leur destinée. Amen. Alors, maman, vous avez dit aussi que vous ne demandez pas à Dieu les choses que les hommes peuvent faire. Je vous ai suivi. Vous avez dit, vous ne demandez pas ça, parce que si vous savez que vous allez faire ça de vous-même, ou il y a un oncle, il y a un ami qui peut le faire, vous ne demandez pas à Dieu. Vous allez demander à Dieu de l'impossibilité. Amen. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alléluia. Amen. Seigneur. Ouais, parce que Dieu est Dieu parce qu'il est au-delà, c'est lui le créateur. Ok. Alors, mais comme Dieu a mis son souffle dans l'homme, il lui a donné son esprit, et l'homme est capable de résoudre certaines choses par rapport aux capacités que Dieu lui a dotées. Mais il arrive un certain moment dans la vie de l'homme, il se retrouve par des circonstances qu'il ne sait pas où trouver la réponse et que faire. Et surtout des circonstances qui sont au-delà de l'ordinaire, au-delà de l'air de force. Et la personne mieux placée à venir débloquer des situations pareilles, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, Amen. Pour moi, s'il est Dieu, c'est parce qu'il fait les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il fait les choses que les hommes ont dit, ont déclaré impossible. Lui déclare ça possible. Et moi, étant qu'enfant de Dieu, je me dis, si quelqu'un peut m'aider, pourquoi je dois prier? Je prie parce qu'il me donne la vie. L'homme ne peut pas me donner la vie. D'accord. Je prie parce qu'il me guérit. L'homme ne peut pas me guérir. L'homme ne fait que me soigner. Mais lui peut me guérir. Je prie parce que c'est lui qui donne la restauration. Quand je perds, ce n'est pas l'homme qui va restaurer. C'est Dieu qui vient restaurer. Je prie parce que même les femmes qui ont été déclarées stériles, avec ou pas avec les trompes, Dieu les a rendus fécondes et puis ils ont accouché. Donc c'est ça Dieu. C'est pourquoi nous devons croire au Dieu des impossibilités. Moi je l'appelle Dieu des impossibilités. Je ne demande pas les choses ordinaires. J'aime demander ce qui me fait trop mal au nerf là. Ce qui me dépasse. Et puis je sais, il n'y a personne qui peut m'aider. Il n'y a que Dieu. Et puis quand je demande, il le fait. Ah ok. À la fin de compte, quand vous allez voir la chose, la réalisation, vous pouvez dire ça, c'est la main de Dieu. Et quand je vois ça, la chose elle-même parle. La chose elle-même témoigne Dieu. La chose elle-même démontre c'est Dieu. Donc, je n'ai même pas besoin de dire aux gens, venez voir ce que Dieu a fait. Mais la chose que Dieu a fait commence à dire aux gens, écoutez ici, regardez, il y a un Dieu vivant. T'as la ninga comme ici. Oh, mais oui, moi j'étais trop mince. Hein. Okay. Pour les gens qui me connaissent, j'étais trop mince comme ça. Mais t'as la ninga comme ici. Amen, maman. On arrive à la fin là. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu, aux téléspectateurs de Eder TV? Par rapport à cette année nouvelle qui commence. Nous, le pasteur Page a dit, c'est déjà demain. Ouais. Nous, 2023 commence déjà demain. Donc, de vœux, un petit mot au peuple de Dieu, aux téléspectateurs de Eder TV, s'il vous plaît. Oui, bonne année, bonne année, bonne année aux enfants d'Edier. J'ai dit ça en français. Hein? En anglais. Edier. Edier. Voilà. Bonne année. D'abord, je tiens à dire merci à l'homme de Dieu pour les privilèges
et aux enfants de Dieu, c'est vraiment une église qui prie, une église qui a la liberté de l'esprit. Amen. Une église amicale, les gens sont gentils, sont cool. Amen. Et je ne me suis pas senti étranger. C'est comme si je prie ici, c'est comme si c'est ma maison, c'est ça la particularité. Amen. Que Dieu vous bénisse, continuez avec cet esprit et surtout continuez à croire aux promesses de Dieu. Et ça va s'accomplir. C'est l'année de la qualification. Amen. Peu importe les disqualifications que tu as connues, mais je veux que tu croies, parce que c'est Dieu qui a parlé au travers de ses serviteurs. Donc crois et tu verras que l'année prochaine, hé maman, l'année prochaine, 2023. Ça commence déjà demain, les miracles en cascade, on verra les témoignages en cascade. Donc on va témoigner jusqu'à... Amen. Voilà, maman, on arrive à la fin. On termine par une question de culture générale. Alors, alléluia. Qu'est-ce que je peux poser comme question? On est en train de célébrer. Est-ce que vous pouvez conjuguer le verbe célébrer à l'imparfait? Célébrer à l'imparfait. Hé, hey, maman, grand-mère, c'est célébrer. Futur simple. Futur simple. Célébrer. Au présent. Célèbre. Ah, ouais. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin. Maman Monique, un grand merci. Un grand bonjour. Bonne année à toute la famille chrétienne, à toute la famille biologique. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On a été bénis. Et nous, on dit grand merci à vous. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Oh, notre journaliste. Merci beaucoup. La servante de Dieu, Aline. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ainsi maman. Que toute votre équipe. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, chers téléspectateurs. Quant à moi, je vous dis au revoir, merci et à la prochaine. Bye. Ozali zamboyo ma